Yepa! Coucou les copines, coucou les copains. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur Loulou Dissident Média, Mix Radio et Solutions Avenir. Trois médias, voilà, la cousinade, comme j'aime bien l'appeler, de nos trois médias pour vous diffuser un maximum d'informations tous les jours. En tout cas, bienvenue à vous toutes et tous. N'oubliez pas, hein, les copains, de partager surtout. Comme d'habitude, mais ce soir, parce que on va quand même vous diffuser pas mal d'informations. Voilà. Un spécial remerciement à toutes les auditrices, auditeurs, amis et amies qui sont là tous les jours dans mon quotidien et aussi dans le quotidien de nos médias. Merci à vous d'avoir pensé déjà à mon anniversaire et puis surtout aussi à l'anniversaire de ce média. Hein, voilà, c'est pas très très loin, mais bon, 2 ans d'existence, c'est pas rien. Et ce soir, j'ai mon petit cadeau à moi et j'avais envie de profiter de ce moment-là avec vous. Alors, normalement, avec Marc, on aurait dû avoir cette émission il y a à peu près 3 semaines, il me semble. Et puis Marc a eu des petits soucis. Alors, son nom est personne, hein, j'ai un petit peu spoilé, mais son nom est personne. Voilà, donc vous avez rien entendu, rien, absolument rien. Voilà, ce soir, on va se partager l'émission avec Marc. Alors, on a pour habitude d'avoir des invités, mais ce soir, Marc, moi, je ne le considère pas comme un invité, mais comme un co-animateur, ça, il faut vous le dire. Et on va essayer ensemble, tous les deux, de co-animer cette émission et de vous apporter un max d'informations. Comme d'habitude, vous en tirerez ce que vous voudrez. En tout cas, j'espère le meilleur. Si vous avez envie de prendre des petites notes, je vous le dis à chaque fois, mais c'est peut-être nécessaire pour vous, mais prenez un papier, un stylo, parce qu'on a souvent des problèmes de mémoire. Hein, on l'a pu voir sur ces 4 années qui se sont déroulées, des pertes de mémoire assez malheureuses et tristes. Voilà. Nous, on est là, en tout cas, pour vous ramener. Pas mal de petites choses, des petites informations voilà, utiles dans votre quotidien et puis surtout pour votre avenir. J'ai fini. Bonsoir Marc, comment vas-tu? Bonsoir, ça y est, tout le monde m'a reconnu. Bon, je suis obligé d'enlever mon masque. Mon masque qui n'est pas obligatoire et qui n'a jamais été porté. C'est juste là que je l'ai porté, là. Ce soir, c'est la première fois, donc c'est historique. C'est aujourd'hui que je porte mon premier masque. Eh oui. C'était ça ou projet lunaire, hein, mais bon. C'est vrai, j'avais mis le casque, mais le casque était un peu chaud pour la température là. Voilà, l'hiver est pas encore terminé, mais c'est bien chauffé ici chez moi, donc on est voilà. Je suis heureux d'être de retour parmi toi, parmi vous, avec toi, parmi vous, et donc je suis à peu près prêt pour aborder les sujets surprises. Qui ne vont sûrement peut-être pas étonner tes auditeurs, mais en tout cas surprendre tes détracteurs. Oui, Enfin, bah j'espère. oui. En tout cas, on espère. Et puis, au-delà de les surprendre, on espère surtout aussi les faire réfléchir un petit peu et qu'ils ouvrent enfin un petit peu leur mirette. Hein, parce qu'à un moment donné, bon, paraître con, ça peut arriver à n'importe qui, mais le rester pour l'éternité, c'est un danger qui nous guette tous. Alors, voilà, essayez un petit peu de réfléchir, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, ça on peut le comprendre. Mais à un moment donné, il y a des évidences qui sont là. Et les évidences font souvent appel au bon sens. Et le bon sens, comme je dis assez régulièrement, le bon sens, c'est ton premier carnet de santé. Et c'est celui qui t'a amené jusqu'ici encore vivant. Donc, tiens-le comme quelque chose de précieux et fais-en quelque chose de bon pour ta vie et puis aussi pour les gens qui t'entourent, quoi. Voilà, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Le bon sens, c'est pas celui des flèches, du parcours fléché qui était devant nous depuis 3 ans et qui, dans certains magasins, n'a toujours pas bougé, on ne l'a pas décollé ou enlevé. Donc, c'est peut-être un signe que quelque chose se dessine. Oui, j'ai même pu remarquer qu'on a amélioré les plexiglas, d'abord dans un premier temps enlevé, puis ensuite amélioré un petit peu le système. Pour la suite, peut-être. Avec en plus des installations de lecteurs de QR code, voilà, de petits moyens de paiement, parce que c'est vrai que l'argent liquide est transporteur de liberté et que la liberté est un danger qui les guettent, hein. Voilà, c'est le poison pour eux.
Et nous, on devrait justement se nourrir de ce beau virus qui s'appelle la liberté.